Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Bozo the Geek. Donc là, aujourd'hui, donc on est toujours sur le panel arcade 4 joueurs. Juste pour vous montrer, donc je vous avais dit quand j'ai placé les fixations, les inserts, je vous ai dit que j'avais traversé. Donc vu que j'ai traversé, j'ai mis de la pâte à bois ici, là, à différents endroits. Voilà, ici et ici. Donc juste pour vous dire que j'ai poncé, j'ai pas repeint. On va voir, je vais essayer de coller le vinyle directement dessus, avec les risques que ça comporte, parce que je suis pas sûr que ça adhère beaucoup sur ça. Mais bon, d'un autre côté, c'est un autocollant, la surface est assez lisse, donc ça devrait coller normalement, mais on va peut-être prendre des risques. J'avais pas trop envie de faire une sous-couche là-dessus. Parce que j'ai remarqué en plus la sous-couche, en général, ça laisse comme une pellicule pas très lisse en fait. C'est bien pour l'adhérence, mais c'est pas très lisse. Donc, si on repeint pas par-dessus, j'ai peur que sous le vinyle. Bon, finalement, je vais essayer de le coller directement parce que certains sur internet disent qu'il faut le coller directement et pas d'autres. Il y en a qui disent qu'il faut mouiller avant de mettre le vinyle, mais il y en a qui disent qu'il faut faire attention en fonction du type de colle, on peut pas. Donc, moi, vu que je connais pas le type de colle de mon vinyle. Dans tous les cas, je vais le coller de manière traditionnelle. Donc ensuite, on va vous expliquer, bah, je vais vous expliquer comment je l'ai collé. On va essayer de filmer pendant le collage, alors c'est pas gagné, pour que vous voyez comment on va coller le vinyle sur le panel. Et après, la problématique, ce sera de comment on va découper les trous. Parce que forcément, si on colle un vinyle par-dessus les trous, eh bien, il va falloir voir comment on découpe pour après faire passer les boutons. Et ainsi de suite. Bon, après, je suis assez confiant parce que vu qu'il y a un plexi qui vient par-dessus, même si ça coule, ça colle pas très mal, pas très bien, le plexi fera son boulot, il pressera, ça fera sandwich et ça devrait aller. Voilà, bah, je vous explique la suite ensuite. On arrête ici pour l'instant. Donc, on se retrouve avec le vinyle, hein, un vinyle que j'avais acheté chez téléadésivo.com. Adésivo.com. Hein, on voit le nom là. Donc très bon emballage. Hein, très bien emballé. Alors moi j'avais commandé différents vinyles. Hein. J'ai des vinyles que je vais mettre sur les côtés. Que je vous montre pas tout de suite. Tout de suite. Je garde ça pour plus tard. J'ai aussi commandé des autocollants chez eux. J'avais eu des promos à l'époque, donc j'en avais profité. C'était les promos de l'été. Ils faisaient 50%. Donc j'en avais bien profité. Donc j'avais acheté pas mal d'autocollants. Je vous ferai découvrir par la suite. Et là j'ai un grand vinyle. Et voilà, un très très grand vinyle qui se déplie, hein, qui fait à peu près. Donc j'avais commandé 1,37 m de long. En fait, je me suis rendu compte qu'il faisait plutôt 1,36 m. Heureusement que j'ai vérifié parce qu'au début ma planche n'était pas dans la bonne dimension. Donc il a fallu que je rectifie ma planche de panel. Bon, après, il va peut-être se détendre. Parce que quand on va l'étaler, il va peut-être se détendre. C'est pour ça qu'en fait. Peut-être qu'ils le mettent à 100, à 136,5, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas vu sur le site. Mais il y avait peut-être une marge d'erreur. Moi, déjà, j'avais prévu une marge d'erreur, hein, à l'époque. Sauf qu'entre-temps, j'avais changé d'avis. J'avais voulu allonger la planche. Donc, je voulais passer à 1,39 m. Et finalement, à 1,37 m, bah, je ne peux pas aller au-delà d'1,37 m et même 1,36,5 m. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le positionner. On va être obligé de le maintenir. On va décoller le début et ensuite après on va essayer de coller au fur et à mesure. Je montre pas encore le motif parce que je vais vous le faire découvrir par la suite. Mais voilà. Donc là pour ça, il faut qu'on soit deux. Donc on va arrêter de filmer. On va commencer de coller. Et après si je peux vous faire filmer la suite, j'essaierai. Ok? Allez, à tout à l'heure. Du coup, là, il faut que c'est. Il faut que tu me tiennes en dessous, là, s'il te plaît. Voilà. Alors là, on va essayer de. On est en train d'essayer de le faire. Donc, je vous garantis rien. C'est la première fois que je colle un sticker de ce type. Donc, j'essaie de faire quelque chose de propre. C'est toujours le risque. C'est de faire un truc super moche qui ressemble à rien. Alors, ce qu'il faut, c'est prendre l'outil. Hein. Il y a un outil qui est fourni. Une petite spatule qui est fournie ici. Alors je vous présente Violette, hein, qui m'aide. Qui, bah oui, parce qu'il faut être à deux souvent.
Et donc il va en fait tirer. Donc toi tu vas tirer ça pendant que moi je vais tendre au fur et à mesure. D'accord? Là attention, là ça entend déjà de partir en vrai. Donc en fait vous voyez pas malheureusement ce que je suis en train de faire. Vous verrez peut-être. Mais en fait je suis en train de tendre. Fais gaffe là ça se plie. Hein. Ouais. Je suis en train de tendre le vinyle sur la plaque en même temps qu'on est en train de dérouler l'arrière. Vas-y. L'idée c'est de. Ah, désolé, on est devant, hein, mais on essaye de filmer en même temps. Donc là, vous allez découvrir le visuel, que je trouve splendide. C'est vraiment un super visuel. J'avais trouvé ça même sur la internet. Matière, la texture. Ouais, la matière, c'est super, hein, parce que c'est en fait c'est une matière qui est à l'origine faite pour aller sur carrément sur un mur en fait. Dans une chambre et tout. Et c'est super parce qu'ils font dans différentes dimensions. Hein. Je ne suis pas sponsorisé par leur site, mais ça a l'air vraiment super leur site. Hein. Donc, je mettrai le lien dans la description hein, pour que vous alliez voir. Je ne suis pas sponsorisé, mais vous allez voir, c'est vraiment super. Donc, voilà. Alors, en fait, le vinyle, je fais attention aussi de ne pas trop frotter comme un taré. Parce que j'ai pas envie de le rayer. J'ai vu une rayure tout à l'heure. Mais bon, on espère que ça ne va pas trop ressortir quand. Vas-y, Violette. Vas-y. Allez, super. Donc là, vous voyez, pas encore. Ouais, tu tiens un truc. Ouais. Alors, on va enlever le pot. Donc voilà, faut mieux être deux parce que tout seul, moi, je vous le déconseille. Hein. Je pense que les pros, ils y arrivent tout seuls. Alors, il y en a qui mettent des produits, du savon dessous avant de le coller. Mais moi, j'ai lu des choses comme quoi c'était pas conseillé parce que. Déjà sur le MDF, je pense que c'est pas conseillé parce que c'est un bois qui va pas forcément bien réagir. Alors si en plus vous avez des bulles, c'est pas grave, hein, il faut savoir qu'on peut les percer après. Mais l'idée, hein, c'est vraiment de faire ça délicatement. Ça sur un mur. Ah, sur un mur, c'est super ça. C'est splendide, hein, c'est coloré. Là vous vous rendez pas compte sur la vidéo, mais ça, ouais, les reflets sont super. Super, ouais. Alors, malheureusement, j'ai fait le test avec le comment dire. Je vérifie un violette derrière s'il n'y a pas de. Bon, là, je pense que ça va avoir du mal à cloquer parce que, dans tous les cas, j'espère qu'on n'est pas trop court. ça serait le drame. Oui, on est un peu court. On est un peu court. C'est ce que je me doutais. Parce qu'en fait, tu mets le temps. Non, c'est parce qu'en fait. Super bon, c'est pas grave, on est un peu court. Alors c'est incroyable parce que quand on mesurait avec Violette, ça le faisait pas. C'est parce qu'on tend super beaucoup. Ouais. Et je pense que vu qu'on tend, bah attends, finalement. Je prends deux ou deux à marge. Ouais, et il est un peu court. Bon, c'est pas très grave, c'est en bout de borne. Tu sais que tu peux coller un truc là. Ouais, je me débrouillerai à faire quelque chose. Bon, bah c'est des choses qui arrivent. J'avais calculé, hein. C'est-à-dire quand je l'avais prépositionné, c'était bon. Et là maintenant, c'est plus bon. Alors, peut-être l'autre solution, ça va être de couper propre. Je sais pas. Faut voir. Mais non, je peux plus trop. Donc, de ce côté-là, c'est moins grave. C'est le côté qui se voit moins. Et puis au pire, je vais mettre une bande noire. Et puis c'est tout. Hein, ça sera un petit loupé. En tout cas, c'est la première fois que je fais ça. Donc forcément. Et tu enlèves quoi les bords? Alors les bords, et ben en fait, où on va les recroqueviller comme ça. Bah, et elles vont rentrer dans le T-molding. Bah, en fait, c'est vite faire ça, non? Et voilà. Et ça, c'est incroyable que j'ai essayé de le tendre, hein, mais je pense qu'on l'a pas assez tendu. Ce qui fait que. Et ben, donc voilà, première conclusion, et ben, il faut se méfier. C'est pas parce que il fait 136,5 ou 137. Ben déjà, j'avais commandé 137. En le mesurant, il faisait 136,5. Non, touche pas aux rayures, ça va être pire. Mais je crois qu'il y en a plusieurs, j'en ai vu plein des rayures. C'est peut-être à cause de la fabrication. Hein, c'est. Et ensuite, je soupçonne que. Je soupçonne, alors je vous le montre un peu mieux comme ça. Voilà. Vous voyez le. Comme ça. Donc c'est un visuel super Smart Bros. C'est pour ça que je vous disais, c'était très Nintendo. Mais ça rend super bien. Alors vous en rendez pas compte sur la vidéo, on n'a pas une super luminosité, mais. Même il y a des reflets, il y a des liés au vinyle et c'est super net. Donc voilà, juste la connerie au bout là. Vous voyez, je suis un peu court finalement. Alors
Je l'avais mesuré, on l'a positionné avec Violette, hein, il était bon, hein, on avait... Il faut prendre tout le temps plus grand. Et en fait, la conclusion, hein, bah, prenez toujours beaucoup plus grand. Moi, je dirais 1 ou 2 cm, parce que, voire même 2 cm, pour être tranquille, parce que je me suis un petit peu fait avoir... arrête de faire ça. Je me suis fait un petit peu avoir comme un débutant que je suis. C'est la première fois que je fais ça, et bah, ça n'a pas loupé. Le vinyle est trop court. Non, Violette, laisse, s'il te plaît. Laisse-moi faire. Voilà. Donc, voilà. Pour le vinyle. Attendez, je vais vous montrer peut-être un peu plus comme ça. Donc voilà le visuel. Voilà le visuel. Quoi ça ressemble. C'est super sympa. Après, il va falloir qu'on fasse des trous. Mais ça, peut-être que je le ferai dans une autre vidéo. Ok. Et là, le bout. Je me doutais, hein, j'avais peur hein, de me faire avoir des mauvaises surprises et ça n'a pas loupé. J'ai eu une mauvaise surprise. Je vais voir comment je peux le résoudre. Je voudrais pas non plus trop le raccourcir le truc parce que après je vais avoir des problèmes pour poser mes mains et tout ça. Donc je vais voir peut-être que je peux le couper. Ça m'embête parce que de le couper. J'ai déjà tout travaillé la planche, donc si je le recoupe, il va falloir que je refasse les arrondis, tout ça, et l'autocollant, il va avoir des problèmes. Donc, faut que je réfléchisse. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et puis, je vous montrerai la suite quand je commencerai à percer ou à corriger ma planche. Et là, c'est Violette qui vous dit au revoir. Allez, ciao. Au revoir.